On est prêt. Tout va bien. Tu peux me faire une promesse? Ce que tu veux. Si ça fonctionne pas, débranche tout. Ça fonctionnera. Il me reste plus beaucoup de temps. Je veux qu'on puisse se dire au revoir. Je n'ai pas l'intention de te perdre. Je ne te laisserai jamais tomber. Oh, 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 non! Vous n'avez pas entendu la cloche? Asseyez-vous. J'arrive! Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau professeur. Salut! Je m'appelle Pete... Monsieur... Monsieur Parker, et on a une chance incroyable, parce qu'aujourd'hui, c'est cours de physique, et la physique, c'est incroyable. vous demandez comment certains insectes, comme des oiseaux, des reptiles, font pour courir à la surface de l'eau. Réponse, la tension de surface. Pose toilette. Ok... la tension de surface, c'est une question de cohésion. En équation, ça donne la tension superficielle, gamma, définie comme la force exercée en parallèle à la surface d'un liquide. F divisé par la longueur L de la ligne où s'exerce la force. Et est-ce que quelqu'un... J'ai besoin de votre aide. Monsieur Morales, c'est ça? Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir vous en sortir tout seul? Vraiment sûr. Ok, tout le monde. En attendant, lisez le chapitre 4 ou 5 ou ce que vous voulez. Miles, j'ai besoin de ce poste! Si la principale revient et voit que je suis parti, je vais me faire virer! Je sais, mais il faut que tu vois ça. Pourquoi aujourd'hui? Je vais grave me faire virer. Déjà que la principale Evans m'en veut d'avoir été à la bourse ce matin. Ah, Peter, je t'avais demandé d'être à l'heure. Ça ira. On sera revu le temps de dire ouf! Tant mieux! Parce que j'ai un rendez-vous important avec le conseiller d'orientation de la PAC! Oh! T'as rendu ta disserte? Je l'ai pas commencé! Ah! Bon, alors on fonce en ville et on s'occupe rapidement de Marco! Salut MJ! Hey les garçons! Vous devriez vite venir dans le centre-ville! On traverse Brooklyn là! Jameson t'a dépêché sur place pour le bugle? J'en reviens toujours pas que Jack et Jess soient ton nouveau patron. Un vrai plaisir de travailler pour lui. Je suis sûr que tu vas le dompter en un rien de temps. Bon, et Marco alors? On s'est pas affronté depuis des années. D'après les témoins, il courait sur Broadway en hurlant des troupes confus. Il nageait en plein délire paranoïaque. Certains ont essayé de lui parler, mais il les a pas écoutés. Il a carrément explosé. Wouah! Pourvu qu'on réussisse à le calmer. J'ai déjà vu des gens perdre le contrôle comme ça. Soyez prudents. Heureusement qu'on a deux Spider-Man. Peut-être qu'on aura besoin de nos nouveaux gadgets aussi. Pas question. C'est que des prototypes. Y a eu aucun test. Tu les as bien apportés, on est d'accord?
Je réponds pas. Bonne chance. Mais je crois qu'on l'a trouvé. Marco ! Spider-Man ! Attends là ! C'est un homme sable ! MJ, rigolez pas ! Il faut l'aider avant qu'il fasse du mal à quelqu'un ou qu'il se blesse ! Il a peut-être faim ! On va lui jeter un paquet de gâteaux sablés ! Fais bouger pour papa ! Occupe-le encore! J'ai une idée! Oh non! T'es encore fâché depuis 12 ans, Marco! Mets-toi au yoga! Peut-être qu'il préfère le vilain finalement! C'était ça ton idée ? Ah, j'ai jamais dit qu'elle serait bonne, hein ! Je te fais passer une journée normale, enseigner la physique, avoir des échanges gênants dans la salle des profs. Ne vous inquiétez pas ! Tout va bien se passer ! Au secours ! Je l'ai ! T'es mini Marco ? J'aimerais bien pouvoir faire ça. J'ai reposé Mister Gerbe. Mais il a eu le temps de salir mon costume. Et il est pas le seul. L'homme sable vient de dégueuler des petits copains. Oh non! Il peut faire ça? Apparemment! J'ai besoin de toi! Monsieur Parker? Pardon, c'est qui? La principale Evan. Ah oui, bien sûr. Madame... Tous les étudiants ont évacué les salles de classe. Où êtes-vous? Monsieur Parker! C'est rien! J'ai laissé un truc dans ma voiture! Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave! Attendez! Ça a marché? Je veux dire, oui, mais je suis en train de courir là! Vous avez intérêt à revenir ici, vous occupez vos élèves. Sinon... Ça ne va pas bien! J'y suis presque! Tu tiens le coup? Miles? La principale Evan s'est appelée! Oh non! Ça y est, je suis viré! Bon, ça va? Toi t'as juste séché les cours! Moi j'ai abandonné des élèves en plein milieu d'une crise! Ouais! T'es mal barré! J'ai toujours détesté ce nom. Je sais que t'es en colère contre moi. Y'a aucun rapport avec toi. Laisse-moi la paix. Je veux juste t'aider. Mais ça va pas te faire du bien. On dirait que ça lui a pas plu, vos retrouvailles. Il est pas trop du genre de statique. Laissez-moi partir, ou je vous tuerai. Ne rien savoir. On va devoir y aller plus fort. Comment? Il déteste l'eau. Son épaule est déjà mouillée. Je pourrais parier que c'est pas un grand fan d'électricité non plus. Il est dans mes pensées. Boum! Mais il nous faut plus d'eau! Je vais lui lancer des toiles pendant que je récupère! Je m'occupe de faire jaillir de l'eau en attendant!
Profite-en! Je vais t'emprunter un peu de sable! Quelqu'un a commandé de l'eau? Dans les 40 000 litres. Ça marche. Merci, Ganki. Vous auriez dû rester en dehors de ça, tu le trouves toujours pile poil au bon endroit? Bon, je reconnais que j'ai parlé un peu. En tout cas, il est en train de grandir. Mieux grimper. On y est prêts. La cuve d'eau. Spider-Man. Moi, je voulais juste mener une vie normale. Comme tout le monde. C'est pas la bonne méthode, Marco. Mais pour un type comme moi, c'est la seule méthode. C'est en train de dégénérer. Peter, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai atterri dehors. Continue de monter. Je te rejoins sur le toit. Cette cube d'eau est notre seule chance. Où est-ce que t'es, Peter? Reviens par ici. Reste à l'intérieur. Il doit être occupé. La journée va être longue si on récupère pas cette citerne. Ralentis pas, Miles. Tout ce que je voulais, c'était une vie normale. C'est pas encore trop tard. C'est trop tard maintenant. Oh non! Je suis avec Peter. Je sais. Tu es sur toutes les chaînes. Je vais aider à coordonner les ressources et les distributions dans le centre. Est-ce que Ganki te couvre bien au lycée? Ouais, mais j'ai rendez-vous avec mon conseiller tout à l'heure. C'est la principale poste que j'ai. Je peux aller parler à ta principale, mais New York a besoin de toi. J'ai la mère la plus cool. Je t'en supplie, sois prudent. Te quiero mucho. Maman a raison. New York a besoin de nous. Marco, tu vas t'attirer encore plus d'ennuis. Je m'en moque. Si seulement je pouvais parler de ça dans ma disserte, je serais pris dans n'importe quel pack. Enfin, Spider-Man en tout cas. Comment ça va, Spider-Man? J'y suis presque. La cuve d'eau est à nous. Plutôt à lui maintenant.
salut. Salut, désolé. Je lui fais quoi? Il essaie de me bouffer. On va plutôt lui donner à boire. On a réussi. C'est déjà fait! J'ai besoin de toi tout de suite, Bryce! Ouais! Je l'ai en visuel, là! Je suis pas loin, ça arrive! Bryce! Bryce! Oh, quelle galère, je me suis fourré! Tu dois retrouver ton calme, Marco! Tu mets des innocents en danger! Tu te soucies d'eux, mais pas de moi. Personne ne s'intéresse à Marco, mais on ne peut pas ignorer l'homme sale, là. Seul et l'unique. Est-ce que t'as un plan? Allez. Les enfants, on retourne au cours. Quoi? La tempête de Marco génère beaucoup trop d'électricité. Qu'est-ce qui arrive à la tension de surface du sable si on augmente le voltage? De la fulgurite. Comme quand j'ai foutroyé les mini. 20 sur 20. Tu absorbes assez d'énergie et je lui en mets plein la tronche. Tu veux que je me fasse frapper par la poudre? Maintenir le coup. Il n'y a qu'une façon de le savoir. C'est maintenant ou jamais, Spider-Man. On s'active. Pourquoi est-ce que tu continues à lutter? Parce qu'on a promis de protéger cette ville. Sable. Vraiment partout. Marco, ça va aller. Ça fait bien longtemps que rien ne va plus pour moi. Si t'as besoin d'aide, tu sais que t'as qu'à demander. Je crois que c'est vous qui allez avoir besoin d'aide quand ils vous pourchasseront. Comment ça?
deviens lent avec l'âge, Sergueï. Jamais tu ne connaîtras ça. Je te suis à la trace depuis des heures. Tu n'as rien vu venir. Pitoyable. Il ne faisait pas le poids. Vous ne m'avez rien trouvé de mieux. Chef, peut-être qu'un nouveau terrain de chasse. Allumez les feux. La grande chasse commence. La pine répond plus. Pete, ça marche chez toi ? Ouais, deux secondes, Miles. C'est bon, vous risquez plus rien. Non, ça marche plus. Allô, Ganki ? Je sais, je sais. Tout le réseau de la ville est HS. Elles deviennent quoi, les demandes qu'on reçoit ? Elles sont mises en attente, mais... Attends. Je vais essayer un truc. Traîne pas. On fait quoi ? Ça va prendre des heures avant qu'ils rétablissent le réseau de télécommunications, donc... On va créer le nôtre. C'est un très gros coup ! Depuis quand tu planifies tout ça ? Eh bien, j'en rêve depuis le collège. Mais la planification... 2 minutes, je dirais. Il doit y avoir un lanceur, pas loin. C'est quoi tous ces trucs ? C'est l'étude environnementale d'une jeune start-up. Le lanceur, c'est pour leur sonde météo haute altitude. Et la start-up, elle a donné son autorisation ? Oui, j'ai vu ça avec le Big Boss. Un type charmant. Il était content de pouvoir aider Spider-Man. Ok, dis-moi ce que je dois faire. Vous avez toujours une imprimante 3D dans vos lance-toiles. Il faudrait que vous fabriquiez un truc. Je vous ai envoyé le plan. Bien reçu. Ça ressemble à un drone. On espionne pas les gens, Ganki. Oh non, il faut leur consentement. Quand les New Yorkais envoient un message sur l'appli, ça les redirige sur ces drones. J'appelle ça des antennes mobiles d'information. Ce qui donne AMI. Je viens de me faire un ami. Ouais. J'étais déjà cool au collège. Ok, et maintenant ? Comment on fait voler ce truc ? Il y a un tas de signaux antagonistes. Il faut suivre le chemin que j'ai marqué sur la lentille. On aura un meilleur signal. Le réseau local devrait marcher. J'envoie une notif générale. Les signalements vont arriver d'une minute à l'autre. On a réussi ! Il est temps de s'y remettre. Par ici. Elle avait du mal à respirer. Miles, t'es dispo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Va sur le toit du bâtiment à côté.
Ganki, Monsieur Sumida est toujours là ? Oui, il est avec Ellie en ce moment. Elle essaie de le retenir. Cool. J'aimerais qu'il m'aide à rédiger mon essai universitaire. Tu l'as pas encore fini ? Tu sais, vu que j'ai déjà été accepté à l'ESU, je pourrais t'aider. Non, t'en fais déjà trop pour moi. En plus, si tu m'aides à entrer à la fac, tu vas pas arrêter de la ramener avec ça. Ouais, c'est vrai. Hé ! Approchez pas de cette limousine ! Je te vois en tout. Les paparazzi, c'est déjà pas cool ! Mais des paparazzi armés ! Ce que vous faites là, c'est pas joli ! L'hôpital. J. Jonah Jameson. Je dois prévenir Spider-Man. Ok, Monsieur Jameson. Je vous emmène à l'hôpital. T'as du calme. Spider-Man, faut que tu viennes voir qui est notre VIP mystère. Ce suspense est insoutenable. Je ferme une porte d'incendie et j'arrive. Monsieur Jameson, c'est Spider-Man. Vous m'entendez ? J'arrive ! Sur ta gauche ! Hé, hey, Spider-Man ! Regarde qui c'est ! Ah, où est-ce que... Spider-Man ! Jonah, mon petit rayon de soleil ! Tout va bien ? Au secours ! C'est un kidnapping ! Hein ? Mais non, j'essaie de vous sauver, là ! Que quelqu'un prenne une photo ! Des criminels masqués kidnappent un célèbre journaliste ! Ah, oh, ce bon vieux Jonah ! Soyez plus sympa avec le docteur ! Oh, ils m'ont kidnappé! J'étais pas consentant! Ah non! Aïe! Des dangers publics! Voilà ce que vous êtes, des dangers publics! Mais J. Jonah Jameson ne se laissera pas faire, vous entendez? Je me laisserai pas faire! Eh, hey, vous faites quoi, vous? Oh, où est-ce que vous m'emmenez? Oh. Monsieur Parker, où êtes-vous? Principal Evans, bonjour. Oui. Oui, c'est moi, Peter Parker. Je suis désolé, j'ai eu une urgence et je vous jure que j'arrive tout de suite. Vous avez intérêt à être là dans 10 secondes, si... Oh non, je passe sous... Tout à l'heure. Oh, j'en reviens pas d'avoir fait ça. Ma tenue est pleine de sable dans tous les plis. Il est peut-être temps que je me change. Où est Monsieur Sumida ? Ah, et il vient de partir. En vacances, il me semble, si j'ai bien compris. Quoi ? C'est incroyable, Ellie ! Et aussi, pendant que t'étais occupé, j'ai appris que j'avais obtenu la bourse Rand. Non, tu rigoles ? Je te jure. Attends, mais c'est de la folie ! Oh. Grosse journée pour tout le monde. J'ai vraiment tout loupé. Oh non, je veux pas voir ça. Et en même temps, c'est plus fort que moi. Principal Evans. Bah alors, regardez qui nous rend visite aujourd'hui. Je sais, j'ai pas fait bonne impression. Ça c'est sûr. Je suis désolé. Ouais, vous pouvez l'être. Oui, je sais. Mais cette attitude est inadmissible. Ça se reproduira plus jamais. J'en ai plus que marre. Non, attendez. Vous n'avez plus d'excuses. Votre travail est de protéger les élèves, pas de les abandonner. Vous êtes viré. Eh ben, être Spider-Man, c'est pas évident, si tu veux garder un taf. Mais non, je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Salut, MJ. Je vais chez toi pour déposer un truc. La porte de derrière est déverrouillée. Je sais pas.
Je suis parti en urgence ce matin, mais je te retrouve là-bas. Ok, cool. Vous êtes bien à l'école, Miles et toi ? Ouais, ouais. Pas simple, ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ça fait aucun doute. Je te rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire virer ? Annoncer à sa copine qu'on s'est fait virer. Ça roulait vraiment mal. L'homme sable a mis une sacrée pagaille. T'as l'air de te débrouiller comme une chef. C'est assez pratique en ville. Mais je crois que la moto, c'est pas mon style. Moi, je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis fait virer. Oh. T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais. Je sais, j'avais planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en utilisant des pommes de terre. Je suis désolée. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah, John a fait le ménage, ça y est. C'est tout comme. Et il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Dans ce cas... Ça devrait aller, parce que tu es leur meilleur journaliste. Y'a quoi là-dedans ? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Mais t'as eu de super critiques ? J'en ai écoulé 14. Personne ne s'intéresse à la Simcari. Le Bugle est le plus gros journal de la ville, là je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion ? J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et... 14 exemplaires. Du coup, je dois faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je mets ça au fond ? Ouais. Je vais juste faire un peu de rangement. C'est dommage, ce décor n'est pas marqué. Tu vas faire quoi maintenant ? Je sais pas trop. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu. Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ben, tu pourrais vendre la maison. Je peux pas. Enfin, je pourrais, mais... je peux pas. Si t'as besoin de temps, je veux bien payer l'hypothèque. Non, non, je peux pas te laisser faire ça. En plus, t'as dit que Jonah risque de réduire les effectifs. Je vais pas le laisser me virer. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. Je te mérite pas. Dis, t'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement ? On en a déjà parlé. Je peux pas m'éloigner du centre, c'est là que tout se passe. Mais pense à tous les dîners romantiques qu'on pourrait faire ici. C'était quand, la dernière fois que t'as dîné à la maison ? Bon argument. Est-ce que tout ça est à mai ? Ouais, j'ai l'intention de les donner, mais... pas tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes ? Des vieilles photos de toi trop chou. Ça fait longtemps que je les ai pas vues. Je crois que c'était dans ma chambre, ça. Pourquoi elle a pris ça en photo ? Équilibre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Je me demande si c'est toujours là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder ces photos que tu m'avais cachées. Où est-ce qu'il était, ce trou ? Spider-Man, est-il une menace ou un danger public ? Votre standard est ouvert.
Une menace, une bonne grosse menace, ce taré. Je vais vous dire un truc sur les soi-disant super-héros. Il n'est ni super, ni un héros. Alors, c'est quoi au final ? Un imposteur ? Un égocentrique ? C'est n'importe quoi ! Ce qui a fait ce bruit ? Quel bruit ? Oh, Peter. Oh, j'ai... J'ai cru entendre un rat dans le mur. Peter, qu'y a-t-il ? Quelque chose ne va pas ? C'est rien. J'ai juste... Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. Alors, j'ai levé le pied. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et je m'entraîne encore. Allez. Vas-y, à ton tour. Mais avait peut-être raison. Je peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Je devrais retourner voir MJ. J'ai reçu un tuyau. Le Raft envoie des détenus à Ravencroft demain, pour une évaluation. Tu sais lesquels ? Non, mais je vais vite le savoir. MJ ! Oh, Rick ! Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolée. Harry ! Tu m'as manqué. Toi aussi, mon pote. J'ai appris pour May. Je suis désolé. Et comment c'était ? L'Europe. En fait, j'étais soigné en isolement ici à New York, mais je voulais pas que vous soyez inquiet. T'as la même chose que ta mère ? J'avais. À l'imparfait. Je suis en rémission, apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain ? Coney Island, comme au bon vieux temps. Ça marche. C'est nouveau, ça. Ouais, c'est un loisir qu'elle a découvert en Simcari. Désolé d'être passé sans prévenir. Quoi ? Non mais tu rigoles ? Tu veux entrer ? En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément ? Ah, c'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. Je pensais plutôt à se refaire une balade comme au bon vieux temps. Attends, c'est ma vieille bécane ? Non, j'ai trouvé sur Internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais, grave. Hé, hey, y a même les autocollants et tout. T'es sûr que c'est pas mon vélo ? C'est vrai ? Ouais, on va où ? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. T'es sûr que ça va aller ? Oh ouais, je pète la forme. J'ai pris la canne pour me rassurer, mais j'en ai pas vraiment besoin. T'as plus d'énergie que moi au final. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'a autant occupé ? Surtout de la suppléance entre deux licenciements. Et puis, je suis le tuteur d'un lycéen. Il est unique. Le vénard. Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris au Mac. J'ai lu des trucs sur ton ancien chef, le docteur Octavius.
Ça devait être dingue. C'est une façon de le formuler, ouais. J'aurais voulu que tu sois là. Harry, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais malade? Je serais venu immédiatement. Le spectacle t'aurait pas plu. Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a filé des cauchemars horribles. Une cuve? Wow. Un truc expérimental. C'est... extrême? Je suis vraiment désolé, Harry. Attends, on est à Midtown High? C'est ça notre destination, en fait? Je peux ni confirmer, ni infirmer. On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé en 10 ans. Merci. Suis-moi. Pourquoi tu nous ramènes là? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi? Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école, à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On y va? La voie est libre. Viens! T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier? Quasi sûr. Quoi? T'as dit que t'étais sûr? J'étais sûr! Enfin, je le suis! Mais pourquoi tu reposes la question? Je sais pas, je suis nerveux! Et le prochain à la batte, l'étoile montante, le numéro 12. Attends! Eric Bonaccelli! C'est Eric Labourique! Qu'est-ce qu'il fait là un vendredi soir? Bah, il écoute le match. Ahurissant! Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ramène-toi, on fonce! Non, on va se faire griller! Ce petit gars, elle est top des champions. Et je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans... Les fans ont mis tous leurs espoirs. Vise quelque chose de bruyant. Et il semblerait que les joueurs... Non, trop salissant. Flash, attention, plaquage imminent. Oui. Super. Viens. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel? J'ai oublié de te dire, j'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Le nom. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh, sérieux, c'est parfait! Ouais. Quand on sera arrivé à l'étage, ton casier sera pas loin, hein. Cache-toi! Il nous a vus? Non, je crois pas. On se sépare. On se rejoint au gymnase. Hé, hey, qui est là? Oh, ça va mal, ça va mal. Alerte! Cache, petit merdeux! Oh, je vois qu'on a affaire à des petits farceurs, hein? J'aurais bien besoin de recharger mes lance-toiles. Une minute! Je dois avoir des réserves de fluide au labo photo. C'est encore un peu nouveau. Il faut que je m'améliore encore sur le développement. Bon, Bibli. Labo photo, gymnase, gymnase, casier. Facile. La voie est libre. En avant. C'était quoi ça? C'est mort. Hé hey. Oh, j'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du projet en ligne. C'est forcément un gamin. Le fantôme de Midtown. C'est qu'une légende. Les aérations, le royaume des araignées. Ok, où j'ai rangé mon fluide de toile?
Je sais que je les ai rangés quelque part par ici. Ah, trouvé. Mince. Vraiment, je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Mon vieux sac à dos! J'avais oublié qu'il était là! Je devrais commencer à prendre des notes, moi. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. Qu'est-ce que c'est ? Attention, je vais taper un sprint ! Vraiment désolé pour tout ce bazar. Ok, voilà. On vient pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme ? Juste une araignée. Je croyais qu'il t'avait eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même, mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme ? Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Un peu rouillé, ça fait rien. À toi. Bien visé. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement. Merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la maison de May. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En tout cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc. Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Oh. Ça a l'air de bien aller entre vous. Elle était devant chez toi. On verra bien. Comme toujours, avec le temps. C'est quoi le score ? Alors là, aucune idée. Moi non plus. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Moi aussi. Mais c'est pas terminé. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances ? Tu saurais retrouver ton ancien casier ? C'est où, ce gardien ? Sûrement dans le bâtiment ouest. Alors on chope la clé USB dans ton casier et on se casse. Flash doit payer pour avoir pété ton ordi. Non, laisse tomber. Mais on peut pas le laisser s'en sortir. Il est capitaine de l'équipe de foot. Moi, je suis deuxième voix à la chorale. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Notre meilleure vengeance, c'est de gagner le concours demain. Ah, ça y est. Là-dessous, dépêche-toi. Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur. J'en ai marre. J'ai déjà ratissé cet étage 3 fois. Je suis en train de perdre mon temps, là. Y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe ? Disparu. Clairement, j'ai eu du bol. Oh, ouais.
Vas-y, prends la clé et on s'arrache. C'est quoi ce truc? Non mais sérieux, comment t'as... Vas-y, prends-le. Oh, la poisse. Qui est là? Ah, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise? Non. Cours! Oh. Hey! T'abuses? On va se faire arrêter! Faudra d'abord qu'il nous attrape. C'est pas ce genre de nostalgie que je préfère! T'as toujours la clé? Ouais. Y a plus qu'à passer ces portes. Et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. J'ai appelé les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Mais... retiens-les encore un peu. J'ai une idée. Bah attends, je fais quoi, moi? Tu te fais pas choper? Ah ouais, j'oublie tout le temps. Police, dépêchez-vous. Bonsoir. C'est vous qui avez appelé? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isolez le garde pour récupérer ma clé USB. Je suis sûr qu'il se plante dans le coin. Les hommes cherchent, mais on a besoin... Bon, venez vous asseoir. Et dehors. Allez, les enfants, on sait que vous êtes là. Les hommes cherchent, mais on a besoin de votre déposition, vous avez vu... C'était quoi, ça? J'ai vu ça dans un film. Super! Comme si j'avais le temps pour ça. Jerry doit être en train de m'attendre. Elle a sûrement fait... Je l'ai! C'était quoi, ça? Oh, comment je me sors de là, maintenant? Just wanna tell you how I'm feeling. Sale gosse! Il est dans le bureau! Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you know. C'est bon? Il faut se planquer! C'est pas la police. C'est mon père. Papa, je t'ai dit que je t'appellerais en rentrant. C'est ta mère. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Peter, tu nous excuses une minute. Quoi, ça? Avec notre présentation, on aurait gagné à tous les coups. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. J'ai eu une seconde chance. Et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. Wow, ça fait... beaucoup d'émotions d'un coup. Tu devrais passer au labo demain, pour te faire une idée. T'as déjà un labo? Je te ferai voir quelques-uns de mes projets, et on en discutera plus longuement. Ça marche? Ça marche. Pete, on va guérir le monde.
feu vert. Escadron K1 en approche. État des lieux. Le manoir et l'arène sont presque achevés. Éclaireur, on rapporte. L'homme sable nous a échappé. On doit faire une croix dessus. Alors ce n'était pas lui. Bien reçu. En attente de vos ordres. Soyez prêts pour le transfert demain. Et ne me décevez pas cette fois. Miles, t'es occupé? Qu'est-ce que tu veux, je suis partant. Soin d'aide pour une mission de babysitting, Aura. Ça a l'air cool. Tu m'expliques en route? Me regarde pas comme ça, pas. Accorde une pause. Hola, mijo. Ça se passe bien, ton essai? Ça se passe. Mais je vais faire un tour. Pete a besoin d'un coup de main. On va juste... Je préfère ne pas savoir les détails. Eh, hey, ça va aller, moi. Espera un momento. Tu sais, il y a eu pas mal de nuits récemment où tu t'es retrouvé à travailler tard et où moi aussi je travaillais tard. Eh ben, en fait, j'étais pas au travail. Mais regarde pas comme ça, je suis pas recherchée par la police. C'est juste que... j'étais à des rendez-vous. Galants, en réalité. Ah, d'accord. Et il y a cet homme que j'ai déjà vu plusieurs fois, et... et ça se passe plutôt bien. Où tu veux en venir, moi? J'aimerais bien l'inviter. Je ferai du patelón. Je suis sûr que je peux me trouver des speeder trucs à faire. Histoire de vous laisser tranquille. Non, je voudrais que tu le rencontres. Et qu'il te rencontre lui aussi. Mais si ça te met mal à l'aise, je comprendrai parfaitement.